présente Paul et Rose Amard qui nous ont fait l'honneur de venir à Saint-Sever. On est très heureux de les accueillir pour cette exposition qui est exceptionnelle hein, pour nous, puisque c'est un créateur qui est emblématique et majeur de l'art qu'on défend ici. Et donc merci d'être venu ici. C'est l'occasion de faire cette rencontre. Mon exposition est réussie. Qu'est-ce que les gens qui sont venus, qu'ils ont vus, sont déjà émerveillés. Ça me flatte énormément. Et on m'a posé toutes les questions qu'ils ont voulu me poser. Voilà, c'est tout fait, c'est soudé à la colle, à chaud, à froid, des vernis à ongles, et puis d'autres vernis, des vernis nacrés, des paillettes. Et puis voilà, j'ai recours dans des grands magasins qui vendent des coquillages de collection, parce que ce ne sont pas que des coquillages que nous mangeons, c'est pas que des huîtres, des bouchots et des coques et des palourdes. Il y a des coquillages de collection qu'il faut aller chercher chez des spécialistes, et c'est comme ça que j'arrive à évoluer un petit peu dans toutes ces œuvres que vous voyez. Voilà. Alors naturellement, c'est à l'infini, soit des poissons, soit des masques, soit de l'érotique, mais de tout ce qu'on me pose de faire, qu'on me propose de faire, je dis toujours oui, voilà. Alors j'arrive à faire n'importe quoi, voilà. Cette question, comment vous procédez? Vous avez une idée préconçue ou bien ça vient comme ça? Des fois ça vient comme ça parce que j'ai vu une image, soit à la télé, soit en carte postale, soit en déplacement dans des villes, et je garde en mémoire. Si je n'ai pas en mémoire, j'achète la carte postale, que je la regarde, et puis elle est là, puis je la photographie, et puis elle part plus de mon esprit jusqu'à temps que je crée la chose que j'ai vue, que j'ai envie de faire. Et puis les livres, les bouquins que je lis énormément, des illustrés, et je vois un tas de modèles que vraiment je suis toujours tenté de faire. Par exemple, la Vierge de Fatima, vous voyez, c'est une formidable qui m'a demandé beaucoup de temps. Il y a eu la proposition de ma femme qui a fait le voile. Ah, elle m'avait dit qu'elle ne travaillait pas avec Gilles. Ah, mais c'est la seule chose qu'elle a composée avec moi. Hein. Voilà, alors. Voilà. Moralement, je l'aide. D'accord, j'ai fait aussi le. Mais elle n'est pas ici, bien sûr. J'ai fait Jésus-Christ sur une croix de 2 mètres de haut. Avec un beau Jésus-Christ qui n'est pas présent ici, il est parti en Amérique. Et puis il y a beaucoup de choses, c'est parti en Amérique, au Portugal, c'est parti un petit peu partout. C'est intéressant aussi parce qu'on peut voir un peu l'évolution du travail et d'inspiration aussi, puisqu'il y a des périodes où il y avait plus d'inspiration des masques ou des poissons, des choses comme ça. L'opéra de Paris. Par contre, le tableau dans le Dubaï. Le Dubaï. Très bien, c'est très bien. Sans compter les petites œuvres, mais en grande œuvre, que je vous parle des tableaux faisant 2 mètres de long sur 1 mètre 10 de haut, il y en a une bonne cinquantaine comme ça dans l'Europe, je ne sais pas où ils se trouvent. Et puis voilà, et puis il y a toujours de la demande, mais c'est moi qui vieillis, c'est moi qui ne peux plus suivre. Voilà. Alors je suis restreint à faire maintenant des choses plus petites, même plus ça c'est doucement, trop... Et puis j'ai ma femme qui me freine, qui me retient. Alors maintenant,
Elle me coupe le courant, elle me ferme la porte à clé de l'atelier, alors c'est très difficile de travailler maintenant. J'ai des conditions pas bonnes en ce moment. Ah, mais c'est vrai, je vous jure, hein. Elle me ferme la porte de l'atelier, elle garde la clé, c'est très dur. Rends-la-moi, non, oui. Alors j'en ai fait faire une. Alors elle a trouvé une. Maintenant elle me coupe le courant quand elle. Mais maintenant elle ne peut plus. Ça, c'est depuis que tu fais des erreurs. Mais bientôt. C'est vrai. On m'a demandé de faire l'érotique. C'est pas Rosy qui t'a demandé. L'érotique, puis maintenant c'est passé au pont. Il y a un musée parisien, c'est-à-dire le musée des arts érotiques. Le musée de l'érotique. Qui m'a demandé de faire une série, et ce que j'en ai fait, une vingtaine. Voilà. Alors ça va être présenté au public à partir de la prochaine exposition. Et la prochaine exposition. Il y a le sexe des deux, de l'homme et de la femme. Voilà. On ne peut pas couper. Hein. Ils sont là, ils sont présents. Alors, aujourd'hui, avec ma femme et mes enfants, je n'ai pas signé pour la marque sur les choses. J'ai mis Monsieur X.